Notre compétence géographique, c'est l'ensemble de la région normande, hein, Haute et Basse Normandie, bien entendu, avec une histoire de l'EPF qui est plus ancrée sur la vallée de la Seine, donc avec une histoire, on va dire, plus urbaine, hein, que ce soit sur les interventions foncières ou sur le traitement de friches, donc une intervention plus sur la vallée de la Seine, donc l'urbanité. Notre volonté, c'est d'être présent sur tous les territoires. Donc on est présent sur les 5 départements normands. On souhaite être encore plus présent sur ces départements dits peut-être plus ruraux, enfin, donc pouvoir développer des actions plus spécifiquement dédiées aux territoires ruraux. Et c'est dans cet esprit-là qu'on est là présent aujourd'hui sur cette étude de réutilisation du centre-ville, du centre-bourg de Domfront, pour identifier les moyens d'action, hein, permettant de contribuer à cette requalification du centre-bourg, pour nous permettre à nous ultérieurement de mettre en place des outils nouveaux en fait, qui répondront plus précisément à cet objectif de requalification. Donc aujourd'hui, hein, c'est une étude lourde pour l'EPF, c'est une étude lourde pour la ville aussi. Mais l'objectif de l'étude, ce n'est pas de comprendre comment ça marche, c'est de pouvoir, au-delà de ça, proposer des outils nouveaux qui permettront de donner les moyens à l'EPF, mais surtout à la collectivité, d'atteindre les objectifs qu'on va identifier et qu'on va essayer d'atteindre ensemble.